Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis sur un super spot, voilà, un magnifique spot. Voilà, je vous laisse voir ce qu'il y a derrière moi. C'est vraiment sublime. Donc vraiment un superbe spot. Et voilà, normalement il est poissonneux. On va voir si j'arrive à faire quelques poissons. On est début octobre, 9 octobre précisément. On va voir si j'arrive à faire quelques poissons de fin de saison. Du lieu, du bar, du macro ici, il y a un peu de tout, même de la vieille. Donc on va essayer de toucher quelques poissons. Et là je vous laisse avec des plans sublimes parce que vraiment l'endroit est vraiment magnifique. Allez, c'est parti, on va commencer la session avec un Black Minnow 120 coloris blue. Et voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Mais même si je fais pas de poisson, je serai vraiment... J'en aurais pris plein les yeux parce que ce spot il est incroyable. Il est incroyable ce spot. Bon, pas de résultat au Black Minnow bleu, je vais bouger sur un autre roller. Je sais pas ce que je vais mettre un coloris un peu plus... Là, celui-là il est assez foncé quand même. Je vais mettre un coloris un peu plus transparent. Bon, je vais essayer avec un crazy. Un crazy un peu plus clair. Même si je doute que les poissons soient sur du lançon. Ça peut peut-être déclencher des attaques agressives, je vais voir. Je vais toucher le fond, je vais ramener en linéaire, on verra bien ce que ça donne. J'ai vraiment de linéaire rapide, avec plein d'angles pour voir s'il y a du poisson actif un peu partout. J'essaye de me rapprocher le plus proche de fond et je fais un linéaire à partir du fond pour voir. Poisson, voilà, au crazy. Et ça perd la dégueulasse. C'est joli même. C'est très très lourd. Ouais, c'est beau, c'est un beau poisson les gars. Très très beau poisson je crois. Oh, ça a payé le crazy, je suis content. Je desserre un peu le frein maintenant, je l'ai décollé du fond, ça y est. Oh, il m'a stoppé net dans mon animation. Reste à voir c'est quoi. Je pense qu'on a fait un joli poisson. Un joli bar. Je le vois, il arrive en surface là-bas. J'ai évité qu'il se décroche. Mais je pense qu'on a un joli poisson de bord de mer. Je crois qu'il se décroche maintenant. Et maintenant, il va falloir le gérer, bien de l'échouer. Et je l'ai chopé loin en plus. Je l'ai chopé très très loin. Bon là maintenant, faut pas faire le con là maintenant. Ça va frotter, ça va frotter. Là, c'est en train de frotter. Allez viens, prochaine vague, c'est bon, je l'ai échoué. Superbe. Maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher. Sans se mouiller, c'est surtout là la grosse mission. Le bon moment pour le choper.
Tac. Et voilà. Oh bah, il vient juste de se décrocher en plus. Il vient juste de se décrocher. C'est magnifique. Ah, superbe. Ah, je pensais que c'était un plus joli poisson. Il m'a mis un combat vraiment très vénère. Mais bon, ça reste un joli poisson. Un joli poisson de... Bah, ça reste un joli poisson, quoi. Un bar, un joli poisson. Regardez, je vais vous le montrer, les gars. Hop. Voilà. Arrête de te secouer un peu, là, toi. Voilà. Ça, c'est un joli poisson, ça. Ça, joli par... voilà, quoi. L'endroit où je l'ai pris, un poisson en pleine forme, en pleine santé, c'est sublime, c'est sublime. Une espèce magnifique, en raréfaction malheureusement. C'est pour ça que je vais pas traîner, petite photo et remise à l'eau. Voilà les gars, magnifique poisson. Je viens de le mesurer 48 cm, je vais aller le remettre à l'eau. Juste un endroit à côté, la tête la première, allez. Regardez ça les gars. Plouf. Il est reparti au fond, direct. Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. On va aller voir s'il y a ses potes qui sont dans le coin. Je lance un autre endroit, je teste plusieurs endroits et puis je vois ce que ça donne. Il fait plaisir ce poisson, en bord de mer. Poisson. Ah yes. Oh c'est... Quel bonheur, mais sérieusement. Ah là 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 là. Ah, il m'a stoppé net dans mon linéa. C'est splendide, c'est sublime. Là c'est un peu plus petit mais ça reste... Oh là là, c'est tout autant le même bonheur quoi, c'est incroyable. Peut-être un petit lieu, pourquoi pas. Mais c'est un peu plus petit là. Il m'a stoppé dans mon linéaire. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Eh non, c'est toujours un petit bar. À la limite, ça m'arrangerait qu'il se décroche là. Oula, il est à la ressource. Est-ce que je peux le drop? Bon, sûrement. Voilà, un petit bar. Enfin, un petit bar, ça reste quand même une taille correcte. Voilà, sur les algues humides. Allez. La tête la première, c'est un petit peu haut. Tchouk. C'est bon, il est reparti nickel. Ça fait plaisir ça, c'est des poissons en pleine forme là. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Je vais essayer de refaire la même strat. Bon voilà les gars, fin de la session, je rentre tranquillement, donc voilà, je serai resté à peu près 1h30, 1h45 sur le spot en train de pêcher. Et sinon, bah, après le trajet de ma voiture jusqu'au spot, bah, ça met à peu près on va dire 20 minutes aller plus 20 minutes retour, enfin surtout 25 minutes retour parce qu'il faut remonter toute la falaise. Mais voilà, donc franchement je suis content, je venais là pour faire du poisson peu importe la taille, parce que du poisson en bord de mer, j'ai du mal, franchement j'ai vraiment du mal, et là je commence à... J'ai commencé à prendre un poisson juste après au choix de mon deuxième leurre qui s'est avéré payant, parce qu'après j'ai même utilisé des autres leurres et puis ça n'a pas fonctionné malheureusement. Enfin voilà, j'ai assez parlé là, je vous laisse avec l'outro et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des remarques, n'importe quoi. Likez et puis abonnez-vous. Allez, je vous remercie et puis à bientôt, je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil.